Et les Calaisiens qui discutent, ils sentent là, Gérard, parce que nous aussi, on le pressent, qu'il y a un coup à jouer encore une fois de plus pour eux. Patrick, tu mets la main pour le sauvage. Depuis 6-7-8, ils n'arrivent pas à mettre les emplacements. Ça suffit maintenant, hein. Allez, ne tombez pas dans les provocations. On n'en a rien à foutre de Bordeaux, d'accord? Alors arrêtez d'aller les voir pour les remonter et les aider à remonter, hein, d'accord? Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de vous. Hein. Vous avez vu, ils vous ont dédaigné. Alors vous les laissez pour ce qu'ils font. Pourquoi on a des coups de pied arrêtés contre nous? Elle est trop mort, putain de merde de Dieu, c'est pas possible! Christophe et Greg, vous êtes trop morts! Il faut ressortir, Fabrice et Greg, il faut ressortir! On est en train de reculer, sans arrêt! On commence pas, les gars, à paniquer. Il n'y a aucune panique à avoir. On essaye surtout de produire plus de jeux dans l'entrejeu, là où on construit le jeu. Sinon, on ne va pas pouvoir sortir la balle, on ne va pas pouvoir servir nos attaquants. Et finalement, le ballon, il va revenir, on va reculer, on va avoir un coup franc, on va avoir un corner. Et puis finalement, il va se passer ce qui va se passer, c'est qu'on risque de prendre un but. Quoi dire de plus? Ça va rentrer dans l'histoire, dans la légende de la Coupe de France.